Le rapport entre le judaïsme et la médecine peut nous intriguer. Nous trouvons dans la Torah un verset explicite qui nous affirme ⁇ Ani Hashem Roph Echa ⁇ Je suis l'Éternel, ton médecin. Du coup se pose la question de savoir quelle est la place du médecin dans notre relation à la maladie. Est-ce qu'il vient remplacer Dieu A-t-il une place Peut-on le laisser intervenir sur notre santé directement alors que ce verset, apparemment, nous dit que Dieu doit gérer notre santé pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariel Toledano. Ariel Toledano, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes passionné par l'histoire de la médecine et le lien avec le judaïsme. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, justement, sur ce sujet-là. Vous venez d'éditer Réparer les corps, réparer le monde nous en parlerons, bien évidemment. Alors je vous pose la question quelle est la place du médecin Peut-il intervenir Est-ce que Dieu lui laisse une place ou bien devons-nous nous en remettre directement à la volonté divine lorsqu'une maladie touche notre corps bah Écoutez, c'est une très bonne question et c'est une bonne introduction à, ce, à la médecine dans le judaïsme. Parce que si vous voyez ce texte que vous évoquez, quelques mots avant, on voit que Dieu dit, je ne vous enverrai pas les maladies que j'ai envoyées en Égypte si vous suivez mes préceptes, car je suis Dieu ton médecin. Et On trouve étonnant que Dieu puisse dire ce genre de phrase, parce que s'il nous envoie pas de maladie, pour quelle raison a-t-il besoin de nous rappeler qu'il est notre médecin Et là, je trouve qu'il y a un commentateur qui est Rachi, qui est le grand commentateur du Moyen Âge, qui est d'ailleurs français, qui disait en fait :« Je suis Dieu, ton médecin. » C'est un peu la, la notion de prévention qui est, un, qui est, qui est inspirée par ce texte-là, c'est-à-dire « Je suis Dieu, ton médecin, même si je ne t'envoie pas de maladie. » Mais malgré tout, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ton quotidien. Et Rachid a des phrases qui sont vraiment euh, étonnantes de modernité. Il dit comme un médecin qui va vous dire ne pas manger tel aliment, ne pas boire tel type de, de choses qui peuvent te rendre malade. Et là, on, on rentre sur quelque chose de très intéressant c'est que dans la tradition juive, dans la tradition biblique, la médecine, c'est aussi la notion de prévention c'est quelque chose d'assez moderne parce que la prévention médicale, ça vient au XXe siècle. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit dans le texte biblique. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves en histoire de la médecine que si c'est Hippocrate qui a institué la médecine au rang de profession, la notion de prévention, elle naît dans le texte biblique, justement à travers cette notion de je suis Dieu ton médecin. Alors, il est évident. Que ce texte a été nombreuses fois commenté dans le Talmud. Et vous avez notamment Rabbi Ishmael, un des grands rabbins du Talmud, qui lui va donner d'autres informations, parce qu'il voit bien que ce texte peut induire en erreur. Et d'ailleurs, cette erreur, on la voit dans de nombreux livres d'histoire de la médecine, où on explique en fait que la médecine biblique est une médecine théologique qui attend de Dieu la guérison. Absolument pas! Et c'est très clair dans les textes du Talmud et notamment à travers l'interprétation que fait Rabbi Shemel d'autres textes qui va dire absolument, il faut pas dire Dieu envoie la maladie et Dieu guérit, absolument pas ça. Le médecin est là pour justement réparer, et ça revient avec la notion de réparer les corps, réparer le monde qui est l'objet de mon nouveau texte sur le rôle du soignant. Bien, le médecin est là pour réparer l'édifice normal de la création. Vous avez écrit un, un ouvrage sur la médecine et le Talmud. Euh, le Talmud, à peu près 2000 ans en arrière. Euh, est-ce qu'on est dans une médecine vraiment euh, primaire, primitive euh, Ou est-ce qu'on a déjà une notion euh, assez intéressante qui peut encore nous euh, parler aujourd'hui à notre époque, dans un monde extrêmement moderne euh, et extrêmement avancé dans la médecine Alors, été, je, je vais vous dire, j'ai été très sincère. J'ai fait cinq années de, de recherche sur le Talmud, traité par traité. Et j'ai été. Au départ, je voulais faire un livre d'histoire mais c'est vrai qu'en lisant ces textes je me suis aperçu d'une véritable originalité du texte de talmud par rapport aux civilisations environnantes par rapport aux textes de l'époque d'hippocrate de galien évidemment qui sont des contemporains du talmud et la chose qui m'a le plus impressionné que je n'ai pas retrouvé dans d'autres textes de, de, de leur époque c'est la notion de contagiosité. cette notion de contagiosité on la retrouve à plusieurs reprises dans de nombreux textes Notamment dans un traité qui est le traité euh, euh, qu'on appelle de la bonne conduite. Et dans ce traité, on dit euh, si vous avez un verre dans lequel quelqu'un a déjà bu, vous n'avez pas le droit euh, de le donner, en tout cas de le présenter à quelqu'un d'autre. Alors vous dites bon, ben, c'est des bonnes manières. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte du Talmud va préciser que c'est dangereux. Donc la notion de danger évoque la notion de quelque chose de particule invisible à l'œil nu qui pourrait être transmise à quelqu'un d'autre donc il ne faut pas le faire. Alors si c'était que ce principe là, je dirais bon bah, très bien mais on retrouve également dans d'autres textes, notamment nous avons dans le Talmud de très belles descriptions de la rage. On voit vraiment, alors là, je, on pourra en parler aussi. C'est-à-dire que dans le Talmud, s'il y a une particularité des rabbins du Talmud, c'est qu'ils savent parfaitement bien décrire les maladies. Ce sont, en médecine, on parle de la sémiologie, c'est-à-dire ce sont des gens qui savent décrire les symptômes des maladies. Et c'est vrai que j'ai été à plusieurs reprises impressionné par leur qualité de description. Et alors à propos de la rage, les descriptions sont très belles et on voit qu'il y a un rabbin qui dit quand on est mordu par un chien enragé. Alors, vous imaginez le, le, le degré de contagiosité d'un chien enragé. Il faut absolument euh, essayer. Alors, celui qui a été mordu, il faut absolument essayer de d'attraper ce chien, mais il ne faut pas l'attraper en le touchant, parce qu'il y a des risques. Et là, le Talmud est très clair. Il faut l'attraper avec des projectiles pour ne pas risquer justement une forme de contagiosité. Alors, c'est assez étonnant. Alors, je ne rentrerai pas dans, dans le détail de, 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 des propositions de traitement, parce que c'est vrai que là, on assiste. Dans les propositions de traitement, il y a un rabbin du Talmud qui s'appelle Rabbi Matthias ben Harash qui lui va proposer justement que celui qui est mordu par un chien enragé, le chien, une fois attrapé et sans le toucher, on va prendre le foie de ce chien et on va le faire ingérer à la personne qui est mordue. C'est intéressant parce que c'est en fait une réflexion sur les prémices de la vaccination. Mais pour en revenir à cette notion de contagiosité, je trouve qu'on la retrouve également à propos, dans le texte de la Bible, à propos de la notion de nevela. Quand vous avez une bête que l'on retrouve dans un chemin, perdue dans un chemin, il faudrait, selon le texte biblique, ne pas le manger. Alors on peut imaginer qu'une bête perdue, dans un, qui est morte dans un champ, évidemment, si elle est morte dans un champ, c'est qu'elle est malade. Mais le texte de la Bible, les prescriptions mosaïques sont claires. Non seulement il ne faut pas le manger, mais il ne faut pas le toucher. Donc vous voyez cette notion de contagiosité qu'on retrouve aussi dans plusieurs traités. Dans un traité, on dit qu'il ne faut pas aller dans des mains publiques quand on a des ulcères dans les jambes, donc la notion de risque de, de, au niveau de la santé publique. Donc c'est vrai que cette notion de contagiosité, elle est absente, mais de manière claire, de tous les grands traités de médecine, et elle n'apparaît en médecine qu'au XIXe siècle. Vous avez cette histoire magnifique de Semmelweis, ce grand médecin viennois qui avait, quelques années avant Pasteur, Remarqué à propos de ces femmes qui mouraient de ce qu'on appelle la fièvre purpurale dans ces grands services de, de gynécologie obstétrique de, de l'hôpital de Vienne. Et il avait constaté en fait que ces femmes mouraient quand les médecins qui faisaient les accouchements allaient dans les salles de travail, dans les salles euh, d'autopsie ensuite pour faire les autopsies de ces malades, de ces personnes qui étaient mortes et qui remontaient ensuite dans les salles de travail pour poursuivre les accouchements. Et il avait remarqué qu'en fait la chaîne de contagiosité venait en fait de ces médecins qui était, euh, avait, était à l'origine peut-être probable. Alors c'était des suspicions, et la seule chose qu'il avait demandé, alors on est en 1846, vraiment quelques années avant Pasteur, 1865 Pasteur, et en 1846 il demande aux médecins de son service, lavez-vous les mains entre les salles d'autopsie et les salles de travail, on lui a répondu à cette époque qu'il était un fou, il a fini d'ailleurs dans un asile psychiatrique. Donc vous voyez parler de la contagiosité, dans un texte talmudique qui date entre le 2 et le 5e siècle, moi j'ai été extrêmement impressionné. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, La médecine du Talmud, je me suis aperçu que beaucoup d'informations de, euh, de, des, des rabbins du Talmud ne se retrouvaient pas dans d'autres textes. Alors vous avez, euh, euh, par exemple, alors, quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, j'en avais parlé dans d'autres émissions, c'est la notion de trois jours. C'est-à-dire que la durée de vie d'un spermatozoïde selon les rabbins du Talmud est de trois jours. Je me suis dit, mais comment peuvent-ils connaître C'est une information il faut la microscopie électronique pour arriver à connaître la durée de vie d'un spermatozoïde. Alors il y a toute une réflexion en tout cas sur cette notion de chiffre 3 mais c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre je me suis aperçu que euh, le talmud recèle beaucoup d'informations médicales et il fallait absolument les faire connaître de telle manière à montrer l'originalité de ces textes et justement contredire les informations médicales que l'on pouvait retrouver dans certains livres d'histoire, et qui sont a priori à l'opposé de ce que peut penser d'ailleurs la tradition juive et la tradition biblique. Alors c'est un peu surprenant effectivement, enfin passionnant complètement parce que euh, on imagine des, des maîtres du Talmud, il y a 2000 ans de cela, euh, des vieux rabbins euh, qui sont avec des livres de Torah, etc. D'où vient leur connaissance en médecine Est-ce que c'est simplement une réflexion personnelle ou des constats ou bien il y a une véritable connaissance qui puise euh, d'une autre, un, autre source Alors je pense qu'il euh, y a deux choses. Les, les rabbins du Talmud euh, sont aussi des expérimentateurs. Et c'est vrai qu'il y a tout un traité du Talmud qui s'appelle le traité Rouline, qui est un traité passionnant, parce que c'est un traité d'abord qui est complexe, parce qu'on est face à des rabbins qui font des dissections, qui font des, de l'expérimentation sur des animaux pour essayer de comprendre d'où peut venir une paraplégie, une tétraplégie. Alors leur objectif principal, il est évident que ce n'est pas de faire avancer la médecine, ça il faut être clair. Leur objectif c'est de codifier la loi et de comprendre comment la codifier. Alors moi j'ai été impressionné par un texte du Talmud, du traité Ohalot, qui abordait la notion de l'anatomie du corps humain. Et c'est une notion fondamentale, parce que euh, comment alors, le traiter par d'un de, de, principe, c'est, vous avez des rabbins qui se disent, euh, on sait qu'un corps euh, malheureusement mort est un corps qui est impur rituellement selon la tradition. Et les rabbins se disent, mais qu'est-ce que, un demi-corps, la moitié d'un corps, est-ce que la moitié d'un corps peut être également impur et alors là, les rabbins disent, bah, pour pouvoir définir ce qu'est la moitié d'un corps, il faut définir ce qu'est un corps et sont obligés à ce moment-là de faire des dissections. Et vous avez des grands anatomistes. J'ai parlé de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est un grand anatomiste. Il a fait, en tout cas, des dissections. On raconte qu'il a fait avec ses élèves des dissections et d'autres rabbins. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que leur dissection, alors, cette notion de, de dissection peut paraître un peu incroyable. On est entre le 2e et le 5e siècle. Et ils ont euh, disséqué les corps. Ils ont plongé d'ailleurs les corps dans de l'eau. Alors, ils ont, certains disent que c'est justement pour retirer cette notion d'impureté, ce qu'un corps plongé dans de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'André Vézal, l'un des plus grands anatomistes flamands du XVIe siècle, faisait également ça avant ses dissections, parce qu'il trouvait que les chairs étaient plus molles dans la dissection. Donc, bon, est-ce que c'était vraiment pour l'impureté ou pas En tout cas, ils ont fait des dissections et ils arrivent à un total de ce qu'ils appellent de parties anatomiques évarimes ils arrivent à 248 entités anatomiques. Alors après, ce qui est intéressant, c'est la relation entre le corps et l'esprit dans le Talmud et dans la tradition juive. C'est une notion fondamentale, il faudrait vraiment le dire. La tradition juive, aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel. On dit le corps et l'esprit, c'est la même unité. Et d'ailleurs, c'est l'objectif d'un médecin. Et je pense souvent à Maïmonide. Maïmonide disait, quand on soigne un patient... La volonté euh, du, du soignant, c'est non seulement de, de penser le corps, les plaies du corps, mais aussi s'intéresser à ces esprits malades, parce qu'il disait un esprit, euh, un malade est quelqu'un qui a un esprit perturbé, et, et quelqu'un de saint a un esprit libéré. Et donc, il fallait libérer l'esprit des malades. Et donc, c'est pour ça que Maïmonide, et c'est en ça que c'est un des plus grands euh, psychosomaticiens de l'histoire, d'ailleurs, je lui ai consacré toute une biographie où j'ai raconté un peu sa façon dont il soignait ces dix traités médicaux. Et Maïmonide disait Cette unité du corps et de l'esprit, il l'a tirée d'où Non, pas des traités d'Aristote, ni des traités euh, d'Hippocrate, de, ni des traités d'Avicenne. Il l'a issu de sa lecture du Talmud, où l'on voit quand ils arrivent à 248 entités anatomiques, c'est-à-dire en fait les 248 entités anatomiques, ça correspond aux 248 commandements positifs, de telle manière à expliquer que l'homme, dans sa tradition, eh bien, il doit pratiquer l'ensemble des commandements de manière conforme en association, en union avec euh, l'ensemble de ces euh, corps euh, et de ces parties du corps anatomique. Au printemps de l'année 1138, les juifs de la ville espagnole de Cordoue se préparent pour la Pâque, fête de la liberté. La maison du Dayan de Cordoue, le rabbin Maimon, célèbre la naissance d'un premier-né, Moïse, en hébreu moshe. Les armées maures et berbères conquièrent la péninsule ibérique et Cordoue devient la capitale de l'Andalousie musulmane. Dès son enfance, Maïmonide fait preuve d'une insatiable soif de connaissance. Fasciné par la bibliothèque de son père, il lit les philosophes grecs comme Aristote et Platon. Des textes scientifiques et des poèmes arabes Son père juge au tribunal rabbinique et son premier maître. Maïmonite s'intéresse aussi aux arts et aux sciences. Le monde arabe est alors très en avance sur le monde chrétien. Les arabes développent et perfectionnent des instruments antiques comme les astrolabes, la médecine, la botanique et les juifs introduisent souvent en Europe un savoir et de nouvelles méthodes. Cette coexistence s'achève en 1147. Les Almohades musulmans radicaux venant du Maroc déferlent sur la péninsule libérique. De nombreux juifs sont massacrés et on assiste à des vagues de conversion forcées. Certains juifs se réfugient dans le nord de l'Espagne, d'autres gagnent l'Afrique du Nord. La famille Maimon se voit contrainte de fuir et Maïmonide quitte Cordoue à l'âge de 13 ans. Sa famille erre pendant dix ans avant de partir pour le Maroc. Elle arrive enfin à Fès dans le Mellah, rue des Horloges. Après cinq ans au Maroc, pendant lesquels Maïmonide étudie entre autres la médecine, il y a de nouvelles persécutions. À Fès aussi, les Almohades ont pris le pouvoir en 1165. Il faut se convertir à l'islam ou mourir. Maïmonide assiste à l'exécution du grand rabbin de Fès qui avait refusé de renier sa foi. Nouveau départ. Après 28 jours de navigation, la famille arrive à Saint-Jean d'Acre, alors aux mains des croisés. Puis Jérusalem et Hébron, où Maïmonide bénéficie avec sa famille d'un laissez passer pour visiter le tombeau des patriarches. Accordé par Richard, cœur de Lyon, qui l'a soigné. Ils poursuivent leur route à pied et s'établissent en Égypte, à Fosta, qui à l'époque est un faubourg du Caire. 7000 juifs vivent ici en trois communautés, trois synagogues. Maïmonide est sans doute venu prier à la synagogue -Bin ezra D'après une légende, c'est à cet endroit que la corbeille d'osier contenant Moïse, bébé, aurait touché la berge. Maimonite se marie et devient un membre actif de la communauté juive d'Égypte et pas seulement un homme de lettres. Il vit grâce au commerce de son frère David et peut se consacrer aux études de textes bibliques, philosophiques et médicaux. Mais en 1177, une tragédie se produit. Le navire de David pris dans une tempête coule dans l'océan Indien avec ses marchandises. Les frères étaient très liés et Moïse porte le deuil pendant des années. Il se voit forcé d'exercer un métier pour subvenir aux besoins de sa propre famille ainsi que de la famille de son frère David. En 1189, il devient le médecin personnel du sultan. Son temps est réparti entre devoirs royaux, traitement de patients privés, devoirs communautaires enseignement de la Torah et discussion avec des médecins de la philosophie et de la science. Il compile parallèlement à ses activités de médecin un code complet des lois juives et se consacre pendant dix ans à produire son chef-d'œuvre, le Mishneh Torah, codifiant pour la première fois la totalité de la voie juive de manière systématique, claire et concise en 14 volumes. Il écrit aussi le guide des égarés. Son objectif est de permettre à tous les juifs de comprendre les principes de la loi orale et de pouvoir vivre selon les traditions. Il meurt le 13 décembre 1204 à l'âge de 69 ans. Son décès endeuille les communautés juives du monde entier. Certains travaux de Maïmonide deviennent sujets à controverses et à des disputes. Certains livres sont brûlés comme hérétiques. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus célèbres philosophes et comme l'un des plus grands savants juifs. Et son œuvre continue à nous influencer. Il est enterré à Tibériade et sa tombe pouvant accueillir plus de 6000 personnes en même temps, fait l'objet de très nombreux pèlerinages. De Moïse à Moïse, il ne s'enleva aucun comme Moïse. Alors justement, dans le prolongement de ce, de, de, de ce parcours finalement de la médecine et du judaïsme, euh, je voudrais maintenant m'intéresser à votre dernier ouvrage, euh, Réparer les corps, réparer le monde. Euh, déjà, le, le titre m'interpelle. Réparer les corps, on peut comprendre. Vous êtes médecin, je vais chez mon médecin, il me soigne, j'ai une maladie, il vient réparer mon corps. Réparer le monde. Quel est le lien entre la réparation du corps, donc le soin médical qui est apporté à un individu, et réparer le monde, c'est-à-dire qu'il va y avoir une, une conséquence, une influence positive sur l'ensemble de la création C'est bien ce qui est porté dans ce titre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement En fait, merci de me poser cette question parce que c'est l'objectif du livre. L'objectif du livre, c'est de montrer qu'en fait, quand on. Maïmonide le disait également, euh, faire en sorte que les gens se portent bien. Et soit en meilleure santé, c'est aussi faire en sorte que le monde soit meilleur. Et ça, c'est très intéressant. Et surtout, ce que j'ai voulu préciser dans, dans ce livre, à travers ce titre, réparer les corps, réparer le monde, c'est en fait inscrire le soin dans une dimension humaniste. Et c'est quelque chose de fondamental parce que aujourd'hui, on le voit bien, et même moi, dans mon cabinet médical, quand on rentre, on est impressionné par toute la technologie on est devenu vraiment une médecine très technique. Et le rôle du médecin, la, la vocation du, du médecin, c'est de ne pas oublier que ce qui est important, ce qui soigne en face de lui, c'est un corps, c'est un esprit, c'est quelqu'un d'humain, c'est cette relation à autrui. Et ça, c'est ce qui fonde d'ailleurs, je crois même, la tradition juive. Quand je pense souvent au fait que le, le premier mot de la Torah, Bereshit, la première lettre, c'est le bet. Et le bête ça veut dire, dès le départ, la notion d'esprit de partage, la relation à autrui. J'ai voulu, à travers ce livre, expliquer comment cette sagesse, qui est la tradition juive, cette sagesse qui a permis à beaucoup de gens, on parle de résilience, mais c'est, on retrouve ça dans le texte biblique, cette notion de, de textes qui peuvent vous aider à vous en sortir. Moi, je, je pense souvent, des patients m'ont dit... Tel livre m'a fait tellement de bien, telle phrase, tel mot dit par telle personne m'a fait tellement de bien. On voit le lien du corps et de l'esprit, on voit très bien que des gens qui souffrent, comment certaines phrases peuvent les apaiser. C'est l'objectif de ce livre, d'apporter une réponse à cette souffrance de ces malades, de ces gens qui, sont, qui souffrent. On parle de mots dans l'épisode juste après le déluge, lorsque Dieu promet de ne plus envoyer de cataclysme de ce niveau-là il envoie un « hot » à L'arc-en-ciel, en français, mais en hébreu, « hot » à Berit. Le mot « hot » signifie une parole, une lettre, ce qui est à l'origine de la parole. Là encore, Noé, on lui fait le reproche de ne pas avoir prononcé de parole, de ne pas être intervenu par sa parole pour prier, pour demander. Il va prier après le déluge, mais il sera déjà trop tard. Et le signe que Dieu envoie, c'est justement une lettre, est-ce qu'il veut lui dire que le lien maintenant qui doit exister est celui de la parole? Tout à fait. Alors il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans cet épisode du déluge. Moi, je raconte dans mon livre justement que dans l'arche de Noé, il y avait un tzohar. Et en hébreu, tzohar. Certains. Alors j'aime beaucoup parce que Rachi va donner deux interprétations au mot de tzohar. Il ne fait que relater le midrash, la Genèse rabba, dans lequel on raconte qu'en fait, tzohar, pour certains, c'est une fenêtre. Et pour d'autres, c'est une pierre précieuse. Et j'aime beaucoup, euh, je le relate dans, dans mon livre Réparer les corps, réparer le monde. J'aime beaucoup cette notion qu'il y a parmi donc il y a deux rabbins. Il y a Rabbi Abba Baracha qui lui dit c'est une fenêtre, et Rabbi Lévi dit que c'est simplement une pierre précieuse. Et il y a quatre rabbins qui eux se prononcent pas. Ils sont pas capables de dire si c'est une fenêtre ou si c'est une pierre précieuse. Je trouve ça étonnant. Et en fait, la réflexion est une réflexion plus vaste. Est-ce que c'est une fenêtre Est-ce que ça veut dire que notre vie doit être illuminée par des sources extérieures ou c'est une pierre précieuse, notre vie peut être illuminée justement par une source intérieure Et c'est une grande question dans le judaïsme. D'ailleurs, beaucoup de gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes, s'intéresser qu'à leur tradition. La tendance est celle de Maïmonide, c'est de dire non, absolument pas. Ce n'est ni une fenêtre, ni une pierre précieuse, c'est les deux. La tradition juive, c'est une tradition d'ouverture qui s'intéresse évidemment à toutes les connaissances. D'ailleurs, en hébreu, le mot da'at, qui veut dire la connaissance, ça s'écrit dalet, haïn » de tav. Dalet, c'est les quatre euh, interprétations du texte de la Torah, et tav, c'est la Torah. Et au milieu, justement, qu'est-ce qui, en, qui encercle le mot dat, qui veut dire religion Haïn ». Rain, qui est donc euh, la représentation des 70 nations, des 70 langues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la connaissance dans la tradition juive sans une ouverture vers l'extérieur. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai mis la lettre Lamed dans mon livre, qui est en fait cette lettre, c'est la seule lettre qui monte vers le haut, qui monte à vous dépasser, à aller vers le haut. Et on ne peut pas imaginer un dépassement de soi sans s'intéresser à toutes les cultures. Vous remettez dans le parcours de, de ces huit portes pour accéder à la sagesse vous remettez également la, la place que l'homme doit trouver au sein de la nature une nature qui est vivifiante. alors vous rapportez bien évidemment tous ces épisodes racidiques où ça. on va dans la nature dans une forêt à poser ses mains sur un arbre et prier avec cet arbre en quelque sorte c'est-à-dire que chaque élément de la nature manifeste une connaissance de dieu une manifestation divine une parole qui n'est pas humaine dont le récepteur n'est pas non plus un homme mais qui est tout de même là, qui est bien vivante. Euh, est-ce que d'un point de vue médical, vous êtes ici le médecin, euh, comment est-ce qu'on peut trouver cet apport positif de la nature sur notre état de santé Tout à fait. Alors vous avez beaucoup d'études qui montrent en fait l'effet... Euh des balades en forêt. J'ai lu de nombreuses études qui montrent que ça apaise, ça réduit le stress, ça diminue la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, ça a un très bon effet sur la pression artérielle. Donc il y a vraiment des études très sérieuses qui montrent l'intérêt d'une balade en forêt. Mais il y a quelque chose qui, moi, m'interpelle et je le raconte dans, dans, dans ce livre-là, c'est la notion de beauté, c'est une notion totalement subjective. Par contre, on est tous à s'accorder. Sur le fait que voir, je ne sais pas moi, une belle forêt, voir un ciel magnifique, voir une montagne enneigée, les cimes d'une montagne enneigée, on tenait tous à s'accorder à dire que c'est beau. Mais c'est totalement subjectif. Comment ça se fait qu'on a besoin de dire cela ben En fait, moi, je crois que c'est un retour aux origines. C'est un retour, c'est le goût des origines, en fait. Le fait de, de retrouver d'aller dans la nature. Moi, je le vois souvent, des patientes me disent, j'ai besoin de me ressourcer dans la nature. Ben, c'est le besoin du goût des origines. C'est le besoin d'aller vers... Et ça, c'est très intéressant, cette notion d'unité originelle. C'est-à-dire que l'objectif d'un médecin, c'est d'arriver à unifier le corps et l'esprit quand il soigne. Mais en fait, à la base, et on le constate dans de, nombreux, dans de nombreuses en tout cas, découvertes ces derniers temps, cette notion d'unité originelle, vous l'avez dans une des plus grandes découvertes de la médecine du XXe siècle, 1953. Crick et Watson ont découvert l'ADN. L'ADN, ça a quand même été le reflet de ce qu'on appelle l'unité originelle, c'est-à-dire que vous avez, à travers tous les êtres vivants, une molécule qui est celle de l'origine. C'est quand même assez incroyable. Et, et, et j'avais abordé ça dans Médecine et Cabale, de dire qu'en fait, il y a une très grande similitude entre les quatre constituants de l'ADN et les quatre euh, lettres qui euh, configurent le, 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 le tétragramme, le, le nom divin dans la tradition de la Cabale, dans la tradition juive, qui disent que... Ces quatre lettres sont à l'origine de tout, et les quatre lettres qui représentent l'ADN, ces deux fibres particulières qu qui représentent cette molécule d'ADN, sont à l'origine du vivant. Donc vous voyez cette notion d'unité originale. Mais il y a quelque chose aussi qui m'interpelle beaucoup, et, et, et ça, euh, la plupart des, des grands prix Nobel, François Jacob le décrit dans, dans, son, dans ses ouvrages, c'est qu'on part tous, nous sommes des êtres complexes, et on le constate vu la complexité du corps humain, mais on part tous... D'une seule cellule. Le, le début du stade du développement embryonnaire, c'est une seule cellule. C'est quand même incroyable qu'une seule cellule va arriver à développer un corps aussi complexe avec un cerveau, avec des yeux, avec un cœur, et tout est parti d'une cellule. Et ce qui est incroyable, cette notion d'unité euh, euh, originelle, on la retrouve également même dans le développement embryonnaire. Le développement embryonnaire, chaque vertébré, et développé de la même manière à travers trois feuillets qu'on appelle l'ectoderme, l'endoderme, le mésoderme. Vous le retrouvez chez tous les vertébrés. Alors là, c'est le chiffre 3, on en revient à ce qu'on disait, qui est le symbole de cette vie. Mais on le retrouve également, même dans des découvertes récentes, la cellule souche. On sait aujourd'hui, alors on parle dans une des portes qui est le renouvellement, la notion de renouvellement, ce qui constitue l'individu. On a besoin de se renouveler pour justement aller vers de la créativité, vers quelque chose, dans, dans, se sentir mieux. Mais le corps humain se renouvelle tous les jours. Tous les jours, nous avons des centaines de milliards de cellules qui régénèrent. À partir de quoi À partir de cellules indifférenciées qu'on appelle les cellules souches. Pour parler de cette connexion à la nature, on trouve un midrash très intéressant qui nous raconte qu'au moment de la création de l'homme, avant la création de l'homme, Dieu a convoqué tous les représentants de la nature pour demander l'autorisation de créer l'homme, pour que l'homme se sente représenté en quelque sorte par tous les éléments de la nature et que tous les éléments de la nature puissent se retrouver en l'homme et pour que, dit le midrash, après 120 ans, Lorsque l'homme devra quitter ce monde, qu'il puisse se retourner, retourner en terre pour retrouver cette connexion parfaite avec la nature. Donc, on a ici quelque chose qui est euh, à l'origine et qui est également la finalité de l'être humain, le lien avec sa nature. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, là, ça va à l'encontre de ce que, que l'on dit en ce moment. Vous savez, il y a pas mal de, 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 de spécialistes du transhumanisme qui disent c'est la fin de la mort. Moi, je crois que. Et d'ailleurs, il y a un très beau livre que j'ai beaucoup aimé de, de, de la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, qui est Nicole Le Douarin, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux de la vie. Et elle explique très bien que, en fait, plus un individu est complexe, plus il est mortel. Ce qui fait notre singularité, ce qui fait que nous sommes uniques, ben fait que nous sommes mortels. Si on prend par exemple des bactéries qui sont des cellules très simples, qui sont formées d'un chromosome, eh ben, elles sont éternelles. Il y aura toujours des bactéries dans le monde. Mais notre complexité nous rend singuliers. Et c'est important parce que pour un soignant, quand on s'adresse à un patient, eh ben, c'est ça ce qu'il qu faut avoir à l'esprit, c'est que cette personne est unique. Et Aristote disait on ne traite pas euh, des malades, on traite des maladies. Vous voyez, on ne traite pas des maladies, mais des malades. Donc c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire qu'on a face de soi une personne et avec sa particularité, avec sa singularité. Et quand on la soigne, on sait très bien que c'est une personne unique, et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans, cette, dans cet ouvrage. Grâce au progrès de la médecine, la longévité, tout à fait. Les, la vie se prolonge, s'allonge, avec, à mon avis, de nouveaux enjeux, représentés par les problèmes de santé qui sont liés à cette vie de plus en plus longue. Comment est-ce que le médecin arrive à porter un regard sur une vie qui s'allonge chez un personnage qui peut souffrir de cela, qui ne sait pas trop comment se renouveler tout au long de sa vie, quel est le lien Qu'est-ce que vous pouvez apporter à quelqu'un qui viendrait justement dans, cette, dans ce questionnement Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça nous permet d'appréhender la maladie différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler réellement de guérison, hein, puisque l'objectif, ce n'est pas de guérir. Nous avons plusieurs patients que nous suivons qui ont des maladies chroniques, mais qu'on essaye en, en fait de soigner. Mais différemment, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de les traiter, mais on peut les traiter, ce qui augmente leur, évidemment leur, leur longévité. Et euh, on les traite différemment. Alors, c'est-à-dire que l'objectif du médecin, c'est de tout faire en sorte pour que les gens gardent leur capacité, leur autonomie jusqu'au bout. Mais vous avez raison de parler de longévité, mais malgré tout, vous savez que dans la tradition juive, on le raconte dans le livre de la Genèse, que la durée de vie d'un homme est de 120 ans. Et je constate que malgré toutes les euh, prédictions de tous les grands spécialistes, aujourd'hui on n'a jamais dépassé 120 ans. Même Jeanne Calment euh, ne l'a dépassé de quelques mois. Donc vous voyez, donc malgré tout, on voit bien qu'on est programmé pour mourir. Et le tout, c'est en tout cas de donner du sens à sa vie. Mais donner du sens à sa vie, je crois que je rejoins ce que disait Maïmonide. Il faut avoir à l'esprit qu'il faut avoir deux types de perfection dans sa vie. La première, c'est la perfection sur le plan de ses organes. Avoir un corps en bonne santé, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer euh, dans son quotidien ne pas prendre soin de sa santé. Et ça passe évidemment par la prévention, comme on le disait au début de l'émission. Et les deux autres objectifs, en tout cas, qui sont liés, c'est la perfection, évidemment, sur le plan moral, à travers une éthique, à travers des lois, comme a pu les inspirer Moïse. Et la troisième perfection, ou la perfection qui est liée à la morale, c'est la perfection intellectuelle. Tenter d'acquérir de la sagesse. Alors vous, vous, euh, vous nous poussez à cette, à cette question du, du rapport au temps. Euh, vous en parlez vous-même dans votre, dans votre ouvrage. Euh, on est loin maintenant du temps euh, invariable donné par la montre et, euh, et ces heures qui passent les unes derrière les autres. On a un temps qui est bien plus complexe que cela. Le rapport que l'on entretient avec un événement, avec des sentiments, euh, peuvent faire que le temps est totalement différent d'une personne à une autre. Il est perçu de manière différente d'une personne à une autre. Euh, alors donc il y a la longévité technique, physique, et puis il y a le sens profond au temps que l'on veut donner à sa vie. Alors c'est intéressant parce que moi je, je, je trouve que dans le texte biblique, il y a une notion qui est très intéressante, c'est que le texte biblique ne conçoit pas le temps comme une forme de temps cyclique. Euh, qui serait le même euh, le, le jour, euh, le lendemain. Et ce n'est pas un cycle comme ça qui se succède les uns après les autres, mais en fait c'est un renouveau. Chaque jour est nouveau. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que même quand on, a, on, on, on est face à un patient, on sait très bien qu'il y a toujours des possibilités, en tout cas d'apports de, de, nouveaux. Et c'est cette vision d'un temps nouveau qui peut espérer, d'ailleurs qui est une forme de, de grande espérance qui m'habite en tant que soignant, envoyé, voyez, c est, c est, c est, et on la retrouve dans, dans le texte, d'ailleurs, biblique, quand on, on voit à chaque fois cette notion de yéhi, vaïhi, on retrouve ce lettre, la lettre vave, cette lettre, en fait, qui permet de faire la jonction entre, justement, la spiritualité et la matérialité. C'est intéressant parce que, même dans, le par exemple, le milieu de la Bible, le milieu de la Torah, plutôt, le, et, et, et quand on calcule les lettres de la Torah, on sait qu'il y a 300, 304 805 lettres, et on voit dans ces 304 805 lettres, la, la, celle du milieu, c'est la lettre Vav. C'est la lettre, en fait, en hébreu, on dit Vav c'est une lettre qui fait la liaison entre euh, la matérialité, la spiritualité, entre le corps et l'esprit. Donc c'est toujours cette notion que, en fait, ce n'est pas un cycle qui se finit, mais c'est en fait un renouveau. Et ça, le chassidisme l'a parfaitement compris. Euh, J'aime beaucoup cette notion, on dit... Il y a toujours du nouveau, il y a toujours de la nouveauté. Rabbi Arman de Braslav l'écrivait dans, dans tous ses ouvrages, cette notion de nouveauté qui est une forme de grande espérance pour un individu. Dans cette notion de, de temps qui n'est pas invariable, qui est très subjectif, euh, peut-être que nous sommes aussi confrontés à ces personnes, ces hommes, ces femmes qui, sont, euh, qui doivent lutter contre une maladie incurable, qui savent que leur fin doit arriver, va arriver relativement rapidement, mais du coup de changer l'approche du temps, de lui donner encore plus de sens, encore plus de profondeur. Comment est-ce que vous, le soignant, vous arrivez à accompagner des personnes de ce genre qui sont touchées dans leur chair, qui savent que la fin est proche, mais leur inviter tout de même à se renouveler dans ce laps de temps-là Vous avez raison, c'est une, une question extrêmement euh, difficile parce que moi, étant jeune médecin, j'ai été dans des services... Euh, Notamment de sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie gravissime, qui est une maladie qui, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas de possibilité de guérison. Ce sont des maladies incurables. Et c'est vrai que je me suis confronté très jeune à ces patients. Euh, J'ai même le souvenir d'une patiente, je le racontais dans Médecine et Bible, qui, qui m'a dit qu y a intérêt de, de continuer à vivre. Je, je sais très bien qu'inexorablement, mon corps va se paralyser et que je vais mourir asphyxié. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile face à ce genre. D'ailleurs, c'est. C'est les choses les plus difficiles à concevoir dans, 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 dans notre pratique. Mais euh, je crois qu'il faut à ce moment-là vivre l'instant présent, c'est-à-dire donner le maximum de réconfort à ces gens-là au moment présent où vous les avez avec vous. Et la relation à autrui, elle est très importante. Euh, on, on en parlait au, au début de, de l'émission. Moi, j'ai à l'esprit l'enseignement d'Emmanuel Levinas, qui est vraiment le, le maître de la philosophie et de l'altérité. Et il avait dit dans un… j'avais assisté à ses à ces cours du, du samedi matin, en fin de journée, sur le rachis, et la seule fois dans le texte de la Bible, où on parle, de, en tout cas dans le texte de la Torah, les cinq premiers livres de, de la Torah, euh, ce qu'on appelle la Torah, vous avez « Yom Ouledet ». La première fois qu'on parle, en tout cas la seule fois où on parle de « Yom Ouledet », c'est à propos d'un personnage, c'est à propos de Pharaon. Et… Euh, euh, je sentais que ça taraudait, euh, il essayait de comprendre pourquoi la Bible a tenu à parler du jour anniversaire de Pharaon. Pourquoi à propos de Pharaon Et en fait, quand on voit le mot anniversaire en hébreu, yom ou ledet, ça ne veut pas dire anniversaire, ça veut dire le jour où autrui m'a donné naissance. C'est la notion que quelqu'un va essayer de vous aider à sortir, à justement à vivre. Et... Lévinas, à ce propos, a dit en fait que ce n'est pas anodin, si c'est à propos de Pharaon qui est lui et se considérer comme une forme de divinité, eh ben, que la Torah lui rappelle que son jour anniversaire, c'est en fait lui rappeler que lui-même, quelqu'un lui a donné naissance. Donc je pense que l'aide venant d'autrui, eh ben, ça peut être comme une, une sortie de... une bouée de secours qui peut aider donc par des paroles ces gens-là, même si je sais que... On n'a pas de, 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 de proposition peut-être aujourd'hui à leur proposer, mais peut-être qu'à travers. Alors après, vous savez, je ne vais pas rentrer dans des dans des réflexions sur la guérison. Vous avez beaucoup de moi j'ai un collègue médecin qui parle beaucoup de guérison spirituelle, mais bon, euh, il y a toujours une espérance. C'est ce message qu'il faut transmettre. Alors justement, le dernier passage de votre livre est intitulé Espérance. Tout à fait. Quelle est notre espérance quel est euh, l'apport de cette médecine, de cette vision de la médecine, bien évidemment, euh, pour euh, demain Alors, je, je dirais que plus la médecine devient technique, plus aussi on a une attente démesurée de la médecine. Parfois, une, une attente que je trouve excessive. Par exemple, la fin de la mort, je trouve ça complètement incroyable. On l'a développé il y a quelques instants. Maintenant, euh, l'espérance, elle est évidente qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers les algorithmes, on peut à des patients dire, bon, écoutez, vous avez tant de pourcentage de survie avec telle maladie. Je crois qu'on ne peut pas au, au, résumer une personne à des algorithmes, à des, à, à des classifications. Je crois qu'une personne peut tout à fait arriver à, à surmonter certaines, certaines difficultés, certains moments... Euh, euh, d'une pathologie quelconque et l'espérance c'est ça, c'est de, de dire moi les statistiques ok très bien mais il y a d'autres paramètres qui peuvent défier les statistiques. C'est dans cela que je crois euh, dans, dans ma pratique et c'est ce qui en tout cas qui me, en tant que soignant c'est ce qui m'imbibe au quotidien. Finalement c'est peut-être que la plus belle espérance c'est celle de l'humilité face à, face à la vie. Absolument, absolument. L'humilité face à la vie, et d'ailleurs ce qui est le propre du soignant, c'est cette humilité, c'est-à-dire euh, concevoir que un corps peut nous surprendre et il nous surprendra toujours. Je terminerai par euh, un enseignement talmudique qui affirme, Tov chez Barofim, la Gayinam, <laughs> que le meilleur des médecins mériterait le geinam », l'enfer. Alors bien évidemment, tous nos commentateurs se posent la question, mais comment affirmer une chose pareille Et de répondre... Tout dépend de l'état d'esprit. Celui qui se considère comme étant le meilleur, qui penserait avoir la vie entre ses mains, celui qui pense remplacer en quelque sorte celui qui donne la vie ou qui la retire, et qui se considère comme étant supérieur aux autres parce qu'il a la médecine, la connaissance entre ses mains, celui-là effectivement mériterait le guéinam. Mais s'il y a de l'humilité, s'il y a une approche avec des mots, avec un cœur, de ne pas considérer l'autre comme euh, simplement un, un corps, mais comme une âme, avec sa souffrance, avec ce qu'elle ressent, alors bien évidemment que celui-là est mis sur un piédestal. Vérapo et il est l'associé de Dieu dans l'œuvre de la création, puisqu'il permet à l'humanité d'aller de mieux en mieux. Moi, je partage parfaitement ce point de vue euh, sur euh, l'humilité. Et c'est vrai que c'est ce qui doit fonder, d'ailleurs, c'est ce qui va à l'opposé de, de, de toute cette vision transhumaniste où. On, de, on, on imagine tellement de choses c'est vrai que la médecine a beaucoup évolué on a on peut traiter quand même des choses de manière on le voit même dans ma spécialité dans le domaine vasculaire je vois des progrès considérables sur la prise en charge de pathologies sur le plan artériel sur le plan vasculaire mais l'humilité doit, doit rester ce qui ce qui nous caractérise parce que, euh, on le sait très bien, c'est ce qu'on ce qu disait, c'est qu'un corps peut toujours nous surprendre. Et cette humilité doit nous amener à dire ben, écoutez, euh, peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse, mais peut-être que vous allez euh, avoir des réponses dans, dans les années à venir. Et en attendant, il faut être patiente, il faut essayer de les soutenir. Et c'est ces paroles qui vont être des paroles d'apaisement qui vont aider ces malades à surmonter ces épreuves-là. Ariel Todenano, je voudrais vous remercier. Merci pour cet échange. Merci pour cette présentation du lien qui peut exister entre la Torah, le judaïsme et la médecine et c'est son évolution à travers les temps. Vous venez donc de, de, de faire paraître réparer les corps, réparer le monde. C'est là tout un programme. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de nous retrouver très prochainement. Passez un bon dimanche et portez-vous bien.